إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، sachez que parmi les gens de notre communauté qui ont laissé une trace indélébile dans notre histoire grandiose, dans l'histoire sublime de notre religion et l'islam, il y a parmi eux des femmes qui ont laissé leur enfant. Et leur récit, ou le récit de ces femmes, est un exemple et une exhortation pour ceux qui les ont suivis. Allah Azza wa Jalla a dit, il y a certes dans leur récit une exhortation pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces femmes honorables et honorées, il y a les épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, des femmes illustres, et comment parler des pieux prédécesseurs si on ne parle pas de nos mères, radiallahu anhum. Si on ne parle pas de nos mères pures et pieuses, et parmi ses épouses, parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait Umm Salama, radiallahu anha. Et son nom, Umm Salama, était Hind, bint Abi Umayya, ibn al-Mughira. Et elle faisait partie de la tribu des Bani Makhzoum. Et sa mère était Aqiqa, bint Amir, ibn Rubay'a, ibn Malik. Le père de Umm Salama radiallahu anha était Abu Umayya, son prénom était Hudayfa. Et il faisait partie des notables et des chefs de sa tribu. Il était connu pour sa générosité et ses largesses, à tel point qu'on le nommait la provision des voyageurs. Pourquoi ? Parce qu'il se chargeait de la nourriture de tous ceux qui voyageait avec lui. Et il faisait partie des nobles de sa tribu. Le père de Umm Salama faisait partie des nobles de sa tribu et il était riche et avait une lignée noble. Et Umm Salama, radiallahu anha, était également la cousine de Khalid ibn Walid, radiallahu anha. C'est ainsi que fut élevé Umm Salama, radiallahu anha, dans cette maison qui avait de glorieux ancêtres et qui était connue pour sa générosité. Et Umm Salama, radiallahu anha, jouissait auprès de sa tribu d'une bonne réputation et elle était connue pour sa beauté grandiose et elle était également connue pour avoir une forte personnalité. Et quand elle a atteint l'âge de la puberté ou l'âge de se marier, Umm Salama, radiallahu anha, se maria avec son cousin, le fils de son oncle paternel, Abdullah ibn al-Asad, ibn Hilal, ibn Abdillah, ibn Umar al-Makhzoumi, plus connu sous le nom de Abu Salama. Et son mari, Abu Salama, était connu pour son courage. Et il était connu comme étant un cavalier émérite et téméraire dans la tribu de Quraysh. Et quand l'islam fut révélé, Umm Salama et son mari Abu Salama, radiallahu anhuma, furent parmi les premiers à recueillir la lumière de l'islam et à entrer dans cette nouvelle religion, dans la religion de vérité. Et Quraysh, leur tribu, commença alors à les opprimer, à les torturer et à oppresser tous les musulmans avec la plus grande vigueur et la plus grande force pour que ces derniers, pour que les musulmans délèguent et fassent un trait sur leur religion, sur la religion de vérité. Et Umm Salama et son mari furent de ceux qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit,
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الله عز وجل dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié, ceux qui attendent encore, ils n'ont varié aucunement dans leur engagement qu'ils avaient pris envers Allah, c'est-à-dire de ne l'adorer seul, sans associé. Et devant l'oppression de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans d'émigrer vers Al-Habasha, qui est l'Érythrée actuelle, c'est-à-dire un pays à côté de la Somalie. Les Hind, c'est-à-dire Umm Salama et son mari, fuirent alors de Mecca pour préserver leur religion et pour pouvoir la pratiquer. Elle vécut donc avec son mari sur cette terre lointaine, loin de leur famille et de leurs amis, le cœur triste, mais apaisé à la fois de pouvoir pratiquer leur religion. Et à Habasha, Umm Salama a eu plusieurs enfants de son mari, 4 en tout, à Habasha. Elle eut la première, Zainab, et le deuxième, Salama, d'où leur surnom, et le troisième qui était également un garçon, Omar, et la troisième, une fille, la quatrième, une fille d'Urwa. Et Umm Salama et son mari, Abu Salama, radiallahu anhuma, sont considérés comme étant les premiers à avoir émigré vers le Habasha. Et ils vécurent donc dans ce pays lointain un certain temps. Puis, quand les musulmans de Habasha entendirent la bonne nouvelle et furent informés de la bonne nouvelle de la conversion de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et de Hamza ibn Abdul Muttalib, ils furent réjouis et heureux de cette nouvelle et de cette annonce. Ils retournèrent alors à Mecca. Et avec eux, Umm Salama et son mari, ainsi que leurs enfants, pensant que la conversion de Omar et de Hamza, radiallahu anhuma, aurait arrangé les choses pour les musulmans qui se trouvaient à Mecca. Mais de retour sur leur terre natale, ils trouvèrent les interprétateurs de Quraysh encore plus déterminés que jamais à en finir avec cette nouvelle religion qu'est l'islam. Leur oppression se faisait de plus en plus forte et ils torturaient et tuaient les musulmans et leur faisaient écouter toutes sortes de châtiments que seul Allah, tabaraka wa ta'ala, fait. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux croyants et aux croyantes d'émigrer pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, pas en Érythrée, mais à Médine. Et Umm Salama radiallahu anha nous raconte son histoire, l'histoire de son voyage, et nous dit, nous nous étions préparés avec mon mari, Abu Salama, pour voyager vers Médine. Il me monta sur un chameau avec mon fils Salama, pour justement partir de la Mecque vers Médine. Et lui s'est mis sur un chameau devant nous et tirait le mien. Quand les hommes de ma tribu ont vu que nous allions partir, c'est-à-dire quand les hommes de la tribu de Umm Salama ont vu qu'ils allaient partir de la Mecque en direction de Médine, ils se sont précipités vers nous. Et ils ont dit à Abu Salama, est-ce que tu as vu ta compagne? Pour quelle raison la laisserions-nous partir avec toi? Alors, la tribu d'Umm Salama a pris les rênes des mains de Abu Salama, les rênes du chameau d'Umm Salama, et ils ont pris les rênes des mains de Abu Salama. Et quand le camp de Abu Salama, le mari de Umm Salama, a vu ça, ils se sont précipités vers eux. Et ils ont dit, on ne laissera pas son fils avec elle si vous ne la laissez pas partir avec son mari. Alors ils commencèrent à tirer leur fils Salama. Ils se tiraient les uns les autres jusqu'à
ce que la tribu de son mari ait pris leur fils. Et son mari, là, tout à l'heure, s'est alors dirigé vers Médine. Et la tribu de Umm Salama a pris Umm Salama. Et la tribu de Abu Salama, ils ont pris le petit Salama à leur fils. Et ils les ont séparés, les trois. Et elle dit, je suis resté avec eux, avec sa tribu, puisqu'elle lui retient à la mer. Elle dit, je sortais tous les jours, le matin, sur une grande étendue appelée Al-Abtah. Et je pleurais jusqu'au soir. Elle sortait, radiallahu anha, sur cette étendue, et elle pleurait jusqu'au soir. Et ceci pendant un an, ou presque. Un jour, un homme, du clan de son oncle, a vu la détresse dans laquelle était Umm Salama, radiallahu anha. Et il a eu pitié d'elle. Et il a dit à sa tribu, pourquoi vous n'allez-vous pas partir pour aller rejoindre son mari? Pourquoi laissez-vous cette pauvre femme ici et ne la laissez-vous pas rejoindre son mari? Et en plus de l'avoir séparé de son époux, vous l'avez séparé également de son enfant. Alors son clan lui ont donné l'autorisation de partir et ils lui ont dit, bon, si tu veux rejoindre ton époux, eh bien vas-y si tu le souhaites. Et la tribu de son mari lui rendirent alors son fils, Salama. Elle monta alors sur un chameau et prit son fils Salama sur ses genoux. Et elle partit à la recherche de son mari, à Médine. Et ils n'étaient que tous les deux, c'est-à-dire Umm Salama et son fils, dans cette immense étendue désertique. Et elle s'est dit que si elle rencontrait quelqu'un sur le chemin, elle lui demanderait des informations sur son époux jusqu'à ce qu'elle le retrouve, parce qu'elle n'avait aucune idée d'où se trouvait Abu Salama dans Médine. Après avoir quitté la Mecque en direction de Médine et arrivé à Sanaïm, qui est un endroit sur la route de Médine, à 5 km de Mecca, elle rencontra le point le plus proche. Elle lui a dit, où est-ce que tu vas au fils de Abi Umayya? Où vas-tu? Elle lui dit, je cherche mon époux qui est à Médine, je cherche Abu Salama qui est à Médine. Uthman lui dit, il n'y a personne avec toi pour voyager? Umm Salama lui répondit, radiallahu anhu wallahi, je n'ai qu'avec moi Allah et mon fils. Uthman radiallahu anhu, Uthman ibn Talha lui dit alors, par Allah, je ne te laisserai pas faire le voyage seul, mais je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu trouves ton mari. Il prit les rênes de son chameau et les emmena sur la route. Umm Salama nous dit par Allah, je n'ai jamais vu un homme parmi les Arabes plus généreux que lui, plus généreux que Uthman ibn Talha. Quand nous devions nous arrêter, il faisait s'agenouiller mon chameau pour que je puisse descendre. Et quand je suis descendu, il prenait le chameau et l'accrochait à l'arbre, restait avec le chameau jusqu'à ce que nous devions partir. Et il faisait comme cela sur tout le chemin, jusqu'à ce que nous fûmes arrivés aux abords de Médine. Il me dit, ton époux est dans ce village. Entre-y avec la bénédiction d'Allah. Et il repartit ensuite immédiatement vers la Mecque. C'est ainsi qu'Allah lui facilita de retrouver son époux qu'elle chérissait, ainsi que sa progéniture. Et Allah éprouve qui il aime. Et elle disait, par Allah, elle disait, radiallahu anha, par Allah, je ne connais pas une famille dans l'islam qui a été atteinte par ce qui a atteint la famille de Abu Salama. Et elle resta donc à éduquer ses enfants et à servir son mari dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et le satisfaire tout en prenant les règles de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans cette ville bénite qui est Médine. Et Abu Salama, radiallahu anhu, l'époux d'Umm Salama, faisait partie de l'élite des cavaliers de l'islam. Et il s'est distingué en participant à deux batailles avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud.
Lors de la bataille de Uhud, il fut gravement blessé. Abu Salama, lors de la bataille de Uhud, fut gravement blessé, radiallahu anhu. Mais il patienta en espérant la récompense de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il resta un mois complet à soigner cette grave blessure. Et à ses côtés, son épouse dévouée, Umm Salama, qui l'aidait en lui ramenant tout ce dont il avait besoin, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Quand il fut rétabli, Abu Salama, radiallahu anhu, fut rétabli, le prophète, alayhi salatu wa salam, l'envoya à la tête d'une expédition pour combattre les Bani Hashim. Il en revint victorieux, radiallahu anhu, en ramenant avec lui un énorme butin. Mais sa blessure, qu'il avait contractée au cours de la bataille de se rouvrit, il se réveilla et commença à couler du sang. Sentant la fin proche, Salama, radiallahu anha, lui dit, il m'a été dit qu'il n'y a pas une personne ou qu'il n'y a pas une épouse dont le mari meurt et que ce mari fait partie des gens du paradis et que si cette femme ne se remarie pas après son décès, eh bien Allah azza wa jal les réunira tous les deux au paradis éternel. Abu Salama lui dit alors, ya Salama, est-ce que tu veux m'obéir? Est-ce que tu veux m'obéir? Umm Salama lui répondit naturellement, bien entendu, que je veux t'obéir. Alors Abu Salama, radiallahu anhu, lui a dit, si je meurs, remarie-toi. Si je meurs, remarie-toi. Il leva ensuite des mains, radiallahu anhu, et dit au Seigneur, donne à Umm Salama, après moi, un homme vieux, un homme mieux que moi, qui ne l'assiste pas et ne lui fait pas de tort. Umm Salama radiallahu anha continua de le soigner avec douceur, tendresse et compassion jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle l'âme d'Abu Salama radiallahu anhu wa rahmahullah. Quand Abu Salama radiallahu anhu mourut et que la période de Umm Salama s'acheva, elle se rappela de l'invocation de son mari défunt et elle dit, qui est mieux qu'Abu Salama? Qui est mieux que mon mari, Abu Salama? Elle vécut une petite période à s'occuper de ses enfants en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui lui avait destiné et décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait notre mère Umm Salama à patienter dans son épreuve et lui disait, celui qui dit c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons, ô Seigneur, récompense-moi dans mon épreuve et remplace ce que j'ai perdu par mieux, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui rendra encore mieux que ce qu'il a perdu. Alors Umm Salama a dit cette invocation. Et dans son cœur, elle disait, mais qui est mieux que mon mari défunt, Abu Salama, puis vint Abu Bakr, radiallahu anhu, pour demander en mariage Umm Salama. Mais elle refusa. Après Abu Bakr, vint alors Umar, qui la demanda également au mariage, mais elle refusa parce qu'elle disait qu'elle était âgée et qu'elle avait des enfants qui étaient encore petits. Mais en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui appartient le décret. Et il lui réservait une personne bien plus noble que ces deux-là, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ceci par la cause de la vocation de son mari qui fut acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva pour la réconforter et la demanda à mariage en envoyant Hafiz ibn Abi Balta'a radiallahu anhu. Umm Salama fut heureuse comme jamais quant à cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mariage. Et elle dit, en réponse à la demande de mariage du prophète alayhi wa sallam, elle a dit, je suis une femme d'un certain âge à Rasulallah. J'ai des enfants en bas âge, et en plus, je suis extrêmement jalouse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Il lui renvoie la réponse et lui a dit, quant à l'âge, je suis plus âgé que toi. Et tes enfants, ce sont les miens. Et quant à la jalousie, j'ai invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il l'appelle. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplaça Abu Salama par mieux pour Umm Salama radiallahu anha.
ولم يقضي التأثير للصفة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi qu'il vit heureuse avec le prophète alayhi salatu wa salam, en s'occupant de lui et en lui donnant amour et affection et en lui étant dévoué. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Umm Salama, Aïcha radiallahu anha fut prise de jalousie parce que les gens disaient que Umm Salama était extrêmement belle. Alors Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est alors cachée pour observer Umm Salama. Et quand elle l'a vu, Aïcha a dit, Wallahi, elle était deux fois plus belle que ce que les gens me racontaient. Wallahi, elle était deux fois plus belle que ce que les gens me racontaient. Et Umm Salama, radiallahu anha, était une femme très intelligente. Et d'un bon conseil pour le prophète, alayhi salatu wa salam, et la preuve est son conseil béni lors du pacte de l'Hudaybiyah, au mois de Shawwal, de l'an 6 de l'Égypte. Mais écoutez plutôt cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida, accompagné de 1400 de ses compagnons, d'accomplir la Umrah. Et avec lui, notre mère Umm Salama, radiallahu anha, qu'il avait choisi pour accomplir avec lui la Umrah. Ils partirent sans aucune arme, pour montrer qu'ils n'étaient pas venus pour combattre. Et ils étaient également en état de sacralisation, c'est-à-dire en Ihram. Et quand Quraysh ont entendu la nouvelle de leur venue, de la venue des musulmans vers la Mecque, ils se préparèrent alors pour les combattre. Le prophète et ses compagnons s'arrêtèrent alors à l'endroit de cette chevalier. 80 hommes de Quraysh arrivèrent et furent capturés par les compagnons et amenés au prophète, alayhi salatu wa salam, qui leur demanda « Est-ce que quelqu'un vous a envoyé ?» Ils répondirent que non, personne. Il nous a envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous libéra alors. Pour montrer qu'il n'était pas venu pour combattre, mais qu'il était venu juste pour accomplir le rituel de l'Umrah. Et les notables de Quraysh ont alors divergé sur le fait de laisser entrer les musulmans en terre sainte ou pas. Le prophète alayhi wa sallam demanda alors de conclure un pacte. Et Quraysh a envoyé alors Sohail ibn Amr comme émissaire. Puis ils commencèrent à écrire le pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali radiallahu anhu pour écrire ce pacte. Et Ali a commencé à écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sohail l'a dit stop. Omar Rahman, c'est qui le miséricordieux? Nous ne connaissons pas. Écris Bismillahirrahmanirrahim. Écris en ton nom, ô Seigneur. C'est tout. Vous ne connaissez pas Rahman. Alors Ali, il s'est mis en colère et il a dit Wallahi, on écrira Bismillahirrahmanirrahim. C'est tout. Pas autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit écris ce que sur une vie. Alors Ali a dit il a commencé à écrire Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite Ali, radiallahu anhu, a commencé à écrire. Voilà ce qu'a conclu le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, et la tribu de Quraysh. Souhait l'arrêta. Encore une fois, il